Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024. Je vous présente à cette occasion tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous soit belle, qu'elle vous soit douce, enfin, qu'elle réponde à toutes vos attentes et que ce monde de sauvages se calme un petit peu. Voilà. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pas de make-up. Et oui, ça n'est pas coutume, pas de make-up, enfin, vous allez me retrouver make-upée dans un petit moment, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits que j'ai reçus gracieusement pour vous montrer ses effets. C'est un produit que j'utilise depuis le 21 ou 22 décembre, enfin voilà. Juste avant Noël, j'ai reçu ce colis, j'ai testé, j'ai approuvé, donc je vous le montre aujourd'hui. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais rien de particulier à faire, mais entre Noël et le jour de l'an, je l'ai vraiment utilisé tous les jours. Donc voilà, j'ai assez de recul pour vous en parler. Il s'agit d'un duo de choc, c'est My SOS Beauty. Vous avez dû déjà les voir passer sur les réseaux sociaux. C'est des gels liftants instantanés pour les rides et les ridules et les poches pour les yeux et pour les rides du haut du visage pour le plus grand tube. Voilà. 50 ml pour le haut du visage, 30 ml pour le dessous des yeux. C'est un gel. Alors, moi, pour l'instant, je n'ai jamais vu passer d'autres produits similaires, ni dans les magasins, ni sur Internet. Donc, ce produit vient lifter, j'ai mis une petite note, hein, vient lifter la peau et combler les rides et les ridules du visage en quelques minutes. Alors, sur le site Internet, on vous propose pour 3-4 minutes, mais alors parfois, le fait de sécher, moi j'utilise une petite éventail, le fait de sécher, c'est bien plus rapide que ça. Et vous êtes tranquille pour de nombreuses heures. Alors, certains vous diront, ben moi ça tient pas trop, moi ça tient bien. Moi je vous dirais que je suis tranquille à peu près 8 heures de temps. J'ai quand même un visage qui est assez expressif. Pas trop à ce niveau-là, mais au niveau des yeux, ben, j'ai les yeux rieurs. Donc, dès que je fais des mimiques, et ben c'est le dessous d'œil qui morfle. Et forcément, et ben, ça a tendance à faire bouger les matières, puisque c'est un effet liftant, mais attention, sans chirurgie ni injection. Hein. Donc, ça n'est que de la cosmétique, ça n'est qu'un produit qu'on applique en surface. C'est idéal pour des soirées, des événements, mais moi, comme je vous le disais, entre Noël et le jour de l'an, j'ai fait plein de choses, j'avais plein de sorties le soir, machin, et je me maquillais en fin de matinée. Donc en fait, ben voilà, je me maquillais comme ça tous les jours et franchement, ça le faisait superbement bien. Grâce à son effet eyeless, l'aspect du contour des yeux s'améliore sur du long terme. Alors, sur du long terme, moi, j'ai pas assez de recul. Par contre, j'utilise toujours mes petits produits Imim pour le soir. Donc, je traite toujours mes yeux avec mes produits de soins. Et le matin, par contre, je n'applique rien. Je n'applique que ce petit tube-là sous le contour des yeux. Et je vous dirais pas que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais vraiment, vraiment, je trouve mes rides moins profondes. Donc voilà, ça fait une grosse semaine d'utilisation. On peut pas dire non plus qu'il y ait eu des miracles de fait. Mais par contre, dès l'application, le résultat est super joli. Attention, c'est un produit quand même. Alors, on se dit, oui, mais Annabelle, pour avoir des effets comme ça, ça va être super crade comme compo. Eh bien non, ce produit récolte 86 sur 100 sur Yuka. Donc, c'est parfois même mieux qu'un simple fond de teint. Et il est composé à plus de 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est quand même un produit qui n'est pas crade. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un produit français fabriqué en Belgique.
Je crois que j'ai tout dit. On passe à l'application. Il propose de l'appliquer soit au pinceau, soit au doigt. Moi, je vous avoue que je suis plus à l'aise au doigt, pour une fois. Donc, je vais appliquer le petit gel liftant sous les yeux. Je vais zoomer. Donc là, vous me voyez bien sans make-up. Voilà mes dessous d'yeux. Donc, j'ai secoué mon petit tube. Alors oui, maintenant, vu que ça zoome, voilà. Hein. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, je l'ai secoué et je viens en prendre une goutte. Voilà, une goutte comme ça. Pour moi, ça me suffit pour un dessous d'œil. Voilà, j'aime bien le répartir sous mon œil et après je tapote. À l'aide de ma petite éventail qu'une amie m'a offert. Merci Ziwe, tu vois, j'utilise toujours. Et là, je viens, alors en essayant de moins le plisser possible, je viens faire sécher. J'espère que vous allez bien voir l'évolution. Et là, je m'appuie sur mon bureau qui bouge. Allez, là, ça doit commencer à se voir. Donc, c'est un produit qui n'a absolument aucune odeur. Il n'y a pas de picotement. C'est juste qu'on sent bien l'effet tenseur au fur et à mesure du séchage. On a vraiment l'impression que votre peau est tirée de droite et de gauche. Je vais prendre mon petit miroir parce que malgré le zoom, si vous allez le voir là, le miracle a agi. Alors, on vous apparaît tout, mes deux petites rides là apparaissent toujours, mais là, c'est devenu beaucoup plus plat. Ça fait pas 4 minutes, hein. Ça fait pas 3 minutes que je bats mon éventail, mais ça sèche. Doucement, c'est beaucoup moins creux, c'est beaucoup plus tendu et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, pareil, je viens appliquer mon produit. Moi, je le fais glisser sur ma partie à traiter et après, je viens tapoter. Quand j'ai l'impression de bien avoir réparti la matière, eh bien, je viens activer pour que ça soit plus rapide avec ma petite éventail. Un ou une éventail? Un éventail. Et là, je fais sécher. On voit l'action commence à faire son petit effet. Alors, bien sûr, le monde n'est pas parfait. Ce produit est actif, voilà. Vous l'appliquez, il sèche et fait son effet. Mais, mesdames, si vous vous maquillez, et comme moi, il y a un problème. On ne peut pas appliquer de produit crème dessus. Donc, il va falloir trouver des solutions pour pallier à ce problème. Donc, vous allez voir, je vais me maquiller tout à l'heure et vous me reverrez maquillée. Voilà, là, ça doit bien commencer à faire effet parce que, oui, regardez comment ça... Mon dessous d'œil est beaucoup plus joli. C'est pas tout à fait sec. Il faut continuer. Pendant que je continue, alors... Il va falloir que je règle de nouveau ma caméra pour que vous voyez mieux mon front.
Voilà, mon front n'a pas encore été traité. Donc, bah, je viens faire pareil avec le deuxième tube exprès pour la partie haute du visage. Mais j'en prends une noisette. Alors, moi, je viens l'appliquer. Oula, j'en ai peut-être mis un peu trop. Je viens l'appliquer sur le haut de mon visage, donc principalement sur mes rides, un petit peu sur la ride du lion au milieu. Et ensuite, je viens tapoter. Voilà, je trouve que d'appliquer en tapotant direct, c'est moins bien. Je fais à ma sauce aussi, hein. Peut-être qu'on est toutes un petit peu différentes. Et voilà, j'ai l'impression que d'appliquer un peu comme si on comblait les trous avec la... avec ce gel liftant. Et après, ben, on fait pénétrer un peu en tapotant, et c'est pas mal. Voilà, une fois que j'ai l'impression de bien avoir tout réparti comme il faut, je redégaine ma petite émail et je fais sécher. Je vous avoue que c'est détendant maintenant de se préparer comme ça. Je vous dirais que voilà, le fait de s'éventer un peu, ça fait une sensation de frais lors du séchage, chose qui n'est absolument pas désagréable. Voilà, vous devez commencer à voir que mon front et sur ma ride du lion, ben ça commence à vraiment, vraiment, vraiment tout partir, il n'y a plus rien. Et regardez mon dessous des yeux qui a bien eu le temps de sécher. C'est pas beau la vie? Voilà. Il n'y a plus rien. Et voilà mon front. Je vais dézoomer. Voilà, je viens de dézoomer, voilà le rendu, une vue beaucoup plus générale. Mes rides de mon front peu marquées, ben, sont invisibles. Ma ride du lion est beaucoup plus corrigée, beaucoup moins visible. Ça a un effet beaucoup plus lisse. Mes dessous d'yeux, ben, écoutez, ils sont juste magnifiques. Là, je repars quelques années en arrière. En général, ce dessous d'œil-là est beaucoup plus abîmé que celui-ci. Et voilà, enfin, je trouve que ce dessous d'œil, ben, il est juste parfait. Évidemment, il y a un bémol. Vu que je ne peux pas appliquer d'anti-cerne, ben, mes reflets un peu grisés, violets ou bleus, ben, je vais pas pouvoir les enlever. Malgré tout, moi, je vais me maquiller. Alors, je vais me maquiller hors caméra et vous revenir juste après. Vous montrer ce que je peux faire dessus. J'ai pas fini mes tests de make-up encore, mais cette solution convient tout à fait. Vous verrez que ben on oublie que là, ça n'est pas corrigé. Mais par contre, c'est lisse. Donc ça fait passer la pilule. Je vous reviens dans 30 secondes et demie maquillée. Voilà, j'ai terminé mon make-up, j'ai appliqué mon embellisseur favori de chez Magnifique, j'ai appliqué du bronzer, du blush, j'ai fait mes yeux avec la mini Starlette. Voilà le rendu d'un exemple de make-up que vous pouvez réaliser une fois l'utilisation de ces produits My SOS Beauty. Voilà, j'ai l'air fraîche, j'ai l'impression d'avoir dormi 24 heures, mon dessous d'œil est impeccable. Oui, il y a un petit effet coloré, mais mon make-up fait naturel. Voilà, et puis quand on a un dessous d'œil
beaucoup plus tendu, moins marqué, on peut se permettre de faire un dessous d'œil beaucoup plus léger. La marque me propose une réduction pour vous, une réduction de 20% avec le code Nanabel. Bien évidemment, toutes les infos sont répertoriées dans la barre d'infos, moins 20% avec le code Nanabel, oui, Nanabel, pardon. Et le lien du site, je vous le mets en barre d'infos, clic droit et roule ma poule. J'ai décidé de vous en parler parce que ça fonctionne. J'ai vu des vidéos sur YouTube où les gens disent, bah non, ça fonctionne pas. Moi, ça fonctionne, je vous en parle, c'est un effet plutôt positif. Voilà, hein? Il faut pas oublier de dire quand c'est bien. Voilà, et là, c'est bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ce n'est pas encore fait, ben n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17h. Je crois que je n'ai rien oublié. Passez un bon week-end, une bonne semaine et à vendredi.